risque d'avoir des paroles. Vous avez vu, là, il y en a qui patinaient, c'est pas parce qu'on est désorganisé, c'est parce que le programme a sauté, l'ordinateur a sauté, puis il a plus improvisé. Amen. Alors, merci pour l'équipe de louange et les gens à la technique derrière. Merci beaucoup. Il y a eu une petite rénovation en arrière aussi, vous avez remarqué, là, on a enlevé les chaises en avant et là, un espace a été agrandi pour les techniciens du son qui manquaient de place. Et donc, une petite rénovation de la semaine en cette occasion. Ce matin, c'est un matin très spécial et lorsqu'on a réfléchi à qui inviter pour cette occasion, ben pour nous, c'était tout à fait naturel d'inviter Yvon Grimard, que je pourrais appeler le père Grimard. Avec 4 enfants et 17 petits-enfants, on peut l'appeler le père Grimard. La première fois que j'ai rencontré Yvon, j'étais adolescent. Lui, comme moi, on n'aurait jamais pensé se ramasser dans la même équipe pastorale des années plus tard. Il a la même âge que mon père, la même date même, même journée, je pense. 29 ans, une semaine de différence. Et j'avais 15 ans lorsque j'ai rencontré la famille Grimard pour la première fois. J'étais là lorsque Laurie avait eu sa fameuse accident, hein, la famille Grimard comprend tout ça. Puis j'ai grandi en connaissant les Grimard. Et quelle surprise lorsque Dieu m'a appris de venir à Trois-Rivières me retrouver à l'église de M. Grimard. Et de me ramasser finalement dans la même équipe pastorale, parce que lui avait arrêté un certain temps, a rembarqué dans l'équipe. En 2001-2002, on avait travaillé sur la vision. Et à ce moment-là, il y avait Réjean qui était là, il y avait Yvon Douville, Yvon était là, il y avait aussi Lucien, il y avait... Lucien Bédard. Qui d'autre qui manque, j'oublie, Benoît, moi, puis... Déjà la pointe, je l'ai mentionné. Il me semble que j'en oublie un, là. Mais, Yvan Gaudreau, excuse-moi, Yvan. Yvan. Et si vous regardez sur la page de Yvon, qui décrit dans le carnet cette histoire, vous allez remarquer qu'on a pris la peine sur cette page-là de noter tous les collègues pastorales, plein temps, et non à plein temps, qui ont œuvré avec Yvon. Yvon est celui qui a côtoyé le plus de pasteurs et d'anciens dans l'Église à travers les années. Il en a passé à travers des cycles, des changements d'Église. Et c'est pour ça qu'Yvon était vraiment la personne, on croyait, la plus appropriée pour nous faire parcourir et apprécier la bonté de Dieu et sa fidélité à travers l'histoire. Et comment Dieu prend plaisir à utiliser les gens de tous horizons pour servir dans l'Église. Et donc, c'est avec cette attitude-là et cette joie-là que je vous invite à accueillir Yvon Grimard. Accueillons-le chaleureusement. En antenne, en dehors de l'entrée, on va servir environ 20 couverts aux personnes à mobilité réduite. Donc, les personnes qui ne peuvent pas monter au deuxième étage vont pouvoir manger en bas. Mais il y a juste une vingtaine de places, donc c'est juste vraiment pour eux. Alors, immédiatement après, ceux qui sont concernés, vous pouvez aller voir. Alors, bonjour à tous. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Et quand la première fois que Joël m'en a parlé, c'était pour être là pour le 30e, puis fêter avec vous autres tout ce temps que je vais. C'est un peu comme si je revenais à la maison paternelle, et puis de se rappeler tous les bons temps qu'on a eu ensemble. Et un peu plus tard, il m'a demandé si je pouvais apporter la parole aussi en même temps. Je vais vous dire que ça ne fait pas trop partie de tout mon parcours. J'ai enseigné à différentes occasions, mais je ne suis pas, comme on pourrait dire, un prédicateur. Mais tout de même, je vais vous raconter un peu aujourd'hui, comme c'est une journée rétro, et justement au moment où est-ce que Joël m'avait mentionné ça, j'étais en train de lire dans un texte biblique de l'Ancien Testament, où il y avait quelqu'un qui faisait aussi une rétrospective d'une partie de sa vie. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, mais lui est en train de faire, puis ça m'est arrivé à la même temps. Alors, on va parler de ce personnage, en cours ce matin. Alors, il y a deux choses que je pense qu'il est important lorsqu'on fait le rétro, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé dans notre passé,
pour mieux apprécier notre présent et ce que Dieu est en train de faire. Alors, j'aimerais aujourd'hui, à travers peut-être deux exemples, un exemple qui est celui de Joseph, qu'on va regarder le moment que lui regarde sa vie et en tire des conclusions. On va l'accompagner là-dedans. Et le deuxième exemple, bien, ça va être moi qui va comment ça va être moi qui va le donner. Comment est-ce que Dieu m'a formé pour arriver un jour à pouvoir le servir ici au sein de l'Église pendant toutes ces années? Et comment il m'a formé aussi pour m'occuper, pour être capable d'être en charge de la construction du bâtiment qu'on a fait ensemble en 1988, toute l'Église. Comment on est arrivé pour acheter du terrain, comment on est arrivé à la construction. Mais surtout, comment que Dieu s'est pris pour me qualifier. Alors, ça va être un petit peu les deux exemples qu'on va regarder aujourd'hui. Vous savez, les gens disent Dieu, il y en a qui pensent que Dieu est pas un Dieu, il est un Dieu lointain, qui ne s'occupe pas trop de ce qui se passe sur la terre. Mais la Bible nous présente pas un Dieu comme ça. La Bible nous présente un Dieu qui est près de nous. La Bible nous présente un Dieu qui a fait un choix. Dieu a fait un choix historique. Et ce choix historique, c'est qu'il a dit qu'il va réaliser un plan qui part du commencement jusqu'à la fin, mais aussi en impliquant des hommes et des femmes ordinaires dans un plan extraordinaire, parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Et on va regarder un peu comment est-ce qu'il œuvre avec nous dans ce domaine-là. Alors, on a un Dieu très présent. On a un Dieu qui, comme la Bible nous dit, qui ne nous a pas sauvés à cause de nos œuvres. Hein? Il dit dans Éphésiens 2 que Dieu nous a sauvés, c'est une pure grâce. Il nous a donné son Fils sous la croix. Et avec ce don, personne de nous n'a besoin maintenant de faire des œuvres pour mériter son salut. Mais il rajoute aussi un petit peu plus loin un passage important. Il dit, je ne vous ai pas sauvé, je ne vous ai pas donné la vie éternelle, je n'ai pas fait de vous des enfants de Dieu, parce que vous allez faire beaucoup de travail pour moi. Mais il dit, par exemple, j'ai préparé pour vous des œuvres. Alors, durant notre parcours sur la terre, ce que Dieu fait avec chacun de nous, et ça, vous pouvez vous dire ça vraiment à vous-même, et je trouve ça un peu dommage aujourd'hui que c'est juste moi qui parle, mais je sais que plusieurs pourraient donner ce genre d'expérience, où est-ce que Dieu, et c'est celui qui prépare, qui étudie, qui pourvoit, et qui contrôle les événements pour que sa volonté s'accomplisse, pour que son plan s'accomplisse. Chacun de nous, on pourrait dire ce matin, bien Dieu a un plan pour moi, dans son grand plan extraordinaire, et il veut que je sois à l'école divine, me préparer pour que je puisse réaliser son plan. Alors, d'être des personnes qui, Dieu, dans sa volonté, Dieu a pris une décision, je vais utiliser les hommes et les femmes ordinaires pour faire un plan extraordinaire. Et tous verront que je suis un Dieu extraordinaire. Le premier qu'on va regarder ensemble, c'est l'histoire avec Joseph. Joseph, dans Genèse 45, nous donne un regard vers sa vie passée. Mais avant d'y aller, avant de venir là, il faut que je fasse avec vous, pour que vous puissiez bien apprécier ce moment de son regard vers le passé, un court résumé de son témoignage de vie. Okay? Alors, je vous demande de me suivre. Il y a des choses bien, bien importantes à apprendre dans ce modèle-là. Alors, on se souvient que Joseph, c'est le fils
de Jacob. Et il nous faut remonter au temps des pharaons. À ce moment-là, Jacob, c'est un chef de tribu. Joseph, c'est un de ses fils. Parce que Joseph, vous savez, c'est un chouchou. Il est le chouchou de Jacob. Et les 10 demi-frères sont vraiment pas contents de ça. Un jour, au moment où est-ce que Joseph a environ 17 ans, Joseph, Jacob, qui avait envoyé les 10 demi-frères aller faire le troupeau, qui était à plusieurs kilomètres, hein. Plusieurs kilomètres. Où est-ce que lui restait? Il était dans la région de la Palestine. Alors, il dit, Joseph, venons voir comment vont tes frères, comment ça va avec le troupeau, puis il vient m'en donner une nouvelle. Alors, Joseph part, et il s'en va voir ses frères. Ses frères, quand ils voient arriver mon ami Joseph, il dit, « Hey, le chouchou qui arrive! » Il en a notre cas. Alors, on va le tuer. S'en débarrasser. Et puis, comme ça, on dira leur père, il est mort. Mais le plus vieux n'était pas trop d'accord. Et comme par un hasard divin, hein, il y avait une caravane de navigateurs qui s'en allait en Égypte. Alors, ce qu'ils ont décidé, ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu aux Madianites, qui, elles, s'en allaient de la caravane, c'est-à-dire en Égypte. Et ils ont averti leur père comme quoi que Joseph est mort dévoré par une bête quelconque. Il arrive en Égypte, et puis là, il y a un homme important dans la cour de Pharaon, qui s'appelle Potiphar, qui lui l'ajoute. Il est esclave. Il l'ajoute comme un esclave. Alors, et le nombre d'années qui passent dans son esclavage avec Potiphar, c'est peut-être quelques années, on pense qu'il y avait peut-être 24 ans. Mais toujours est-il que Potiphar voit bien que Joseph y est béni de Dieu. Puis il dit, en ayant cette bénédiction-là de Dieu, bien lui en profitait. Alors mon Potiphar, un gars qui est wise, il dit, ben, je l'établis sur toute ma propriété, sur tous mes biens, et il est devenu le bras droit de Potiphar. Alors, Potiphar, sa condition, quand tu regardes ça, tu dis sa condition, OK, il était esclave encore, mais ça s'est tout de même amélioré. Alors, au moment que les choses vont bien, la femme de Potiphar, jeune homme de 24-25 ans, il était beau, il paraîtrait, elle veut coucher avec. Mais là, lui, il ne veut pas. Hein? Alors, mais elle insiste, puis à un moment donné, il y a une circonstance qui se présente, écoute, ils sont juste seuls, puis elle veut vraiment avoir ce jeune homme-là, et elle l'accroche quand il était tout seul, vient, puis on va coucher ensemble. Et là, Joseph fait tout de même une déclaration importante. Il dit, comment est-ce que je pourrais pécher contre Dieu et comment je pourrais être déloyal à mon maître qui m'a établi sur toute sa propriété, sauf que je ne peux pas te toucher à toi. Mais elle insistait, donc il s'est débattu, il a laissé son manteau puis il est parti. Et la femme de Potiphar a accusé injustement Joseph, et le Potiphar, il a cru sa femme, puis en ce temps-là, tu es un esclave, hein, pas plus de droits que ça, en prison. C'est ça qui s'est passé. Alors, mon Joseph, il sera mort en prison. Et là, moi, quand je lisais ça, j'ai dit,
Alors, je vais faire une réflexion. Là, on a besoin de faire une réflexion, là. Écoute, il reste tout de même, Seigneur, t'as un drôle de plan, là. C'est toute une école. Joseph, il a tout de même juste 17 ans, il est vendu comme esclave. Avant, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un père qui l'aimait. Il avait c'était un Hébreu. Le fils d'un chef. Il avait tout de même une prestance. Et là, il se ramasse en Égypte comme esclave, une nouvelle culture, une nouvelle langue. C'est aucun droit. Et là, tu sembles le bénir, ça s'améliore, il est toujours esclave, mais ça s'améliore. Y a-t-il une place pire que ça? La réponse est oui. Oui, c'est que c'est un esclave en prison. Ça, c'est pire. Et Joseph s'en va donc en prison. Écoutez, moi, si j'étais à sa place, là, et je pense que ça nous arrive à différentes périodes, lorsqu'on est à l'école de Dieu, lorsqu'on fait l'école de la formation de Dieu, où est-ce que je vous dis... On pourrait légitimement se dire, et peut-être vous vous dites maintenant, c'est dans votre circonstance de vie, mais on peut facilement dire, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu me fais ça à moi? Je suis ton enfant. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Crier à lui, et il dit, mais où t'es? Je souffre. Je suis abandonné. Où t'es présentement? Et de crier à Dieu. C'est tout à fait légitime. Surtout qu'on ne comprend pas tout le plan de Dieu pour nos vies. Mais il y a une chose que Dieu voudrait qu'on retienne. Et ça se trouve dans Genèse 39, 21, je vais vous le lire. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef des prisonniers. Ici, même dans le plus bas, tu sais, les prisons en Égypte, là, c'était pas comme nos prisons aujourd'hui, là, c'est vraiment même le plus bas. Quand Dieu nous dit, j'étais en train de l'accompagner. Et Joseph devient, à ce moment-là, le bras droit du chef de prison sur toute la prison. Combien de temps qu'il est en prison? Les textes ne nous le disent pas. Mais le plan de Dieu est en train de s'organiser. Alors, Dieu, à un moment donné, envoie deux hauts fonctionnaires en prison. Un chef des échafauds, la personne qui s'occupe des vins avec son équipe à la table de Pharaon et de ses convives, et le chef des panetiers, qui lui s'occupe du pain et des mets qui sont là. Il semble qu'un jour, Pharaon, le repas a passé de travers. Et là, sa décision, c'est que les deux chefs en prison. Alors, comme ils vont dans la place où est-ce que Joseph est, Joseph les visite un jour, puis là, il les regarde, puis les deux chefs, ils étaient comme tristes. Interrogateur. Alors, il voit, qu'est-ce qui se passe? Ben, le chef des échansons dit, ben, j'ai fait un rêve, puis je ne sais pas quoi en penser. Parce que faut dire que Joseph avait cette capacité d'expliquer les rêves. Dieu lui révélait l'explication des rêves de ceux qui lui partageaient le rêve. Alors, le chef des échafauds lui explique son rêve. Alors, il dit, écoute l'explication. 3 jours encore, et Pharaon, il te replace à la position que tu étais avant. Et tu vas encore verser le vin dans la main de Pharaon. Wow! Là, il dit, mais là, c'est là qu'on a la seule indication dans la vie de Joseph d'une certaine plainte de sa part. Il va dire, écoute, quand tu vas être heureux auprès de Pharaon, il dit,
Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. J'ai été enlevé de mon pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Mais on sait dans l'histoire qu'un coup qui a été heureux, il n'a pas repensé à Joseph. Alors, l'autre chef des panetiers, qui, ayant vu que lui, il avait eu une explication, raconte son rêve. Mais là, il dit, toi, ce n'est pas la même affaire. C'est que dans 3 jours, tu vas mourir dans des souffrances atroces. Je vous laisse aller le lire si vous voulez. Et les choses se sont passées exactement comme Joseph l'avait mentionné. Mais c'était un événement préparatoire dans le plan de Dieu. 2 ans encore. C'est en prison, là. 2 ans encore, tout de même pour Joseph. Et là, Dieu va créer un événement. Encore une fois, Dieu va intervenir pour accomplir son plan. Il semble que Joseph est prêt pour la dernière partie. Alors, il va envoyer un rêve, cette fois-ci, à Pharaon. Pharaon va demander à tout le monde de l'essayer de l'expliquer. Puis, il n'est pas capable. Ils ne sont pas capables. Et c'est là qu'une petite lumière allume pour le chef des chansons. Alors, il y a une petite lumière qui allume, puis qu'il dit, « Hey, tu sais que moi, j'étais en prison, là. » Il y avait un esclave, là, qui, lui, savait expliquer les rêves. Tout de suite, on va aller chercher Joseph. Joseph sera mort devant Pharaon. Pharaon dit, il y avait 7 vaches grasses qui étaient là. Et puis, il y a eu 7 vaches maigres qui ont mangé les 7 vaches grasses. Puis, il dit, l'autre rêve, c'est que j'avais 7 épis qui étaient abondants. Puis, il y a 7 épis côtiers qui sont venus manger les 7 épis abondants. Et ça veut dire quoi? Alors, Joseph lui donne l'explication de son rêve. Et quand Pharaon, puis tout le monde qui était autour, voit cette explication-là, et que Dieu lui avait même mentionné qu'est-ce qui allait pouvoir arriver dans l'avenir, hey, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il établit comme son bras droit le deuxième personnage le plus important de Pharaon, Joseph. Joseph, à ce moment-là, devient le bras droit de Pharaon en Égypte. Alors, les 7 années, pendant 7 ans, Joseph se dépêche à travailler, à accumuler, et les 7 ans sont terminés, et maintenant, ça fait 2 ans que, non seulement la sécheresse est en Égypte, mais la sécheresse est aussi en Palestine. Jacob, ça fait 2 fois qu'il envoie ses 10 fils en Égypte pour aller acheter du blé. Et évidemment, ils n'ont pas reconnu que c'est Joseph qui leur vend le blé, leur frère. Écoute, parce que là, il y a une période, vous savez-vous de combien? Au-dessus de 20 ans. Joseph a environ 39 ans et c'est à 17 ans qu'on l'a vendu. Alors, il est à 39 ans. Il est évidemment habillé de façon égyptienne, il a vieilli, et puis lui, Joseph reconnaît, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, c'est la 2e fois. Alors, si on lit le texte maintenant, qu'on va regarder comment les yeux de Joseph regardent sa vie rétroactivement. Alors, je vais vous lire, on peut-tu mettre le texte, oui, OK. Joseph ne pouvait plus se contenir, parce que ses frères étaient là, devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Alors, il faut dire que c'était... Le vase était plein depuis longtemps, et puis là, ça sortait. Là, hein? Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? On voit la profondeur ici des sentiments de Joseph. Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence.
Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère. Vous avez vendu, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ici, il y a juste une prêche à faire dans ce bout-là, ici. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ici, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Cosen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui appartient à toi. Joseph, lorsqu'il regarde en rétrospective, il ne voit pas la somme des souffrances, il ne voit pas tout ce qu'il a dû endurer pour l'éducation. La Bible ne veut pas mettre l'emphase sur ce sujet-là. La Bible met l'emphase pour dire, c'était le plan. J'ai été à l'école toutes ces années, Dieu m'a accompagné, j'ai resté à l'école malgré tout, j'ai gardé la foi, mais c'était le plan, c'est même pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a fait que j'ai parcouru ce que j'ai eu à vivre, parce que Dieu avait un plan extraordinaire dans lequel j'ai participé. Moi, un homme ordinaire. Et c'est pour ça qu'il va dire, et le grand plan que Joseph est en train de participer, c'est qu'il devait devenir le bras droit de Pharaon par tout un processus. Il devait sauver la famille de Jacob, qui était à ce moment-là une tribu. Hein? Vous pensez que c'est une tribu. Mais ils vont être à peu près 70 qui vont arriver là. Et dans l'Égypte, ils vont passer à au-dessus d'un million, peut-être 2 millions. Ils vont devenir une nation. Et dans cette nation-là, va devenir la lignée de qui? De Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors Dieu avait un plan extraordinaire et Joseph, de façon fidèle, est resté à l'école de Dieu pour accomplir le plan, sa partie à lui, être utilisé par Dieu. C'est quelque chose pareil. Et j'espère que cet exemple de témoignage de vie de Joseph, ce regard de Joseph, peut nous encourager aujourd'hui. Je ne sais pas quelle situation que chacun de nous, vous pouvez vivre. Moi, je ne connais pas, mais c'est juste de dire, ça peut nous encourager. C'est que Dieu est un Dieu qui est en train, il veut nous utiliser et on est à l'école divine. Et ce n'est pas toujours facile. On peut crier à Dieu. Et je peux vous dire que dans ma vie, c'est arrivé à plusieurs fois. J'ai crié à Dieu, « Aie pitié de moi. Sors-moi de telle ou telle situation. Où t'es, Seigneur? » Je vous dis, je vous confesse vraiment que c'est arrivé à maintes reprises. Mais par la grâce de Dieu, en restant avec lui, j'ai aussi vécu de grandes délivrances. Alors, j'espère que ce matin, ça vous encourage parce que pour Joseph, et on le voit pour moi-même plus tard, pour Joseph, tout ce qui a effacé, c'est comme un peu une femme qui est enceinte, qui souffre pendant les... Et quand le bébé est là, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Moi, je n'ai pas participé à ça, mais c'est ce qu'on me dit. c'est un peu comme ça. La grande bénédiction de Joseph, c'est qu'il sait qu'il faisait partie d'un plan extraordinaire. Et qui a été participant. Wow, c'est quelque chose pareil. Hein? Mais la deuxième exemple que j'aimerais un peu vous présenter, c'est la mienne. Et puis, je vous dirais qu'elle est loin d'être comparable à celle à Joseph, OK? Déjà en partant, là.
C'est loin d'être comparable. Mais tout de même, je dirais ceci. Je perçois qu'on a le même maître. Je perçois, oui, ma destinée est différente, mais on a le même Seigneur qui nous enseigne, qui nous éduque. Quand on l'adopte, quand on vient à lui, comme enfant, il nous éduque, il nous instruit, il pourvoit et organise les circonstances pour qu'on accomplisse le plan qu'il a pour nous. Alors, moi, je suis arrivé ici en 1974, un petit jeuneau, 22 ans, avec mon épouse, Joanne, qui avait 18 ans à ce moment-là. Je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Je n'avais entendu parler pendant plusieurs années, avant, mais je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Mais j'ai contacté une personne que je connaissais, et il s'appelle François Pageau. Et François Pageau, lui, m'a dit, « Hey, à Trois-Rivières, il y a une église, là, puis il me donne l'adresse pour que je me rende là. » Alors, moi puis Joanne, OK, on se rend là. Je ne me souviens pas si c'est sur semaine ou la fin de semaine, mais c'était dans une maison. Notre surprise, c'est que c'était dans un sous-sol de maison. On n'est pas habitué à ça, je vous dirais. Alors, on s'en va là. Mais Dieu, il y avait un plan. Quelques semaines plus tard, il y a un monsieur qui s'appelle John Malone, un missionnaire, qui s'appelle John Malone et Mary Kay, qui eux aussi, à peu près dans une semaine ou deux ou trois semaines, je ne me souviens pas, mais qui vient aussi de Victoriaville pour prendre en charge la nouvelle église. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas une personne à plein temps qui prenait soin de cette église-là. C'était dans un sous-sol d'une maison. Et après-midi, justement, vous allez avoir plus de détails avec Sylvain et puis Nancy, les historiens de l'église. Là, vous allez avoir plus de détails sur cette période-là. Mais juste pour vous dire qu'il n'y avait pas, pour l'instant, il n'y avait pas de passe-temps. Mais Dieu, à plein temps, mais Dieu vient et puis il nous permet, en même temps que moi j'arrive, avec plein de questions, et je vous dis que j'en avais des questions parce que je m'étais trompé deux fois sur ma foi, puis il n'était pas question que je me trompe une troisième fois. Alors, ça nous prenait un gars tout de même avec un caractère très patient. Et John, il m'a requis qu'il n'y avait pas d'enfant. John était un homme patient pour répondre à mes questions. Alors, on a franchi une étape. Je suis devenu un enfant de Dieu à ce moment-là. Et peut-être j'avais mis une petite photo. Est-ce que vous pouvez la mettre? Ouais. Juste pour des fois, moi, je me regardais, là, les cheveux blancs, tout le kit, là, mais c'était pas comme ça à l'époque. si ça ne sort pas, je vais continuer, là, parce que... Mais le point, c'est que j'avais toujours soif de connaître, même comme rendu comme un enfant de Dieu, encore plus, j'étais soif de connaître qui était ce Dieu, puis la Bible. Alors ça, c'est la deuxième. Il y en avait une un peu avant, c'est celle-là ici. Alors ça, c'est quand on se faisait baptiser, et dans la même année, finalement, c'est là que je suis en train de vous parler. Ça, c'est Joanne dans le coin de ce bord-là, puis ça, c'est moi. Et Dieu commence la formation, hein? Alors, mais Dieu avait un plan. Et là, c'est là qu'il s'est commencé au Québec une école qu'on appelle SEMBEC, qui existe encore aujourd'hui. Je pense qu'elle a en 72, 73, 74, en tout cas dans ces ordres-là. Là, on est en 75. Alors, John, quand il a entendu parler de cette école-là, a donné des cours qu'on n'était pas obligé d'aller à Montréal, des cours qu'on pouvait programmer, qui appellent des cours qu'on pouvait faire chez ses choix. Là. Parce que moi, dans ce temps-là, je travaillais en même temps. Je travaillais à Hydro-Québec. Alors, je n'avais pas le temps d'aller à plein temps dans une école. Alors, ils avaient commencé ce ministère-là. John prend ce ministère-là. Et puis, justement, dans l'autre photo, on commence une cellule d'études. On est trois. Moi, Joanne et puis Ron Hinchcombe, qui étaient des frères chrétiens à ce moment-là. Il s'est commencé là, en 1975, une formation qui va durer pendant plusieurs années, que je vais prendre tout en travaillant à l'Hydro-Québec. Voyez-vous, le plan,
c'est que moi, j'arrive à l'église, j'ai plein de questions. Dieu envoie un ouvrier. Il répond à mes questions. Je viens au Seigneur. Là, je veux découvrir davantage. Oups, il y a un séminaire de Sembec qui commence. J'embarque là-dedans. C'est pas tout du hasard, là. Et cette formation-là va m'aider par la suite à servir le Seigneur. Au début, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ben, je suis venu rapidement diacre. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes, surtout à l'époque, là. Je suis devenu rapidement diacre. Puis ensuite, j'ai été dans une équipe pastorale pendant plusieurs années pour aider au développement de l'Église ici. Alors, vous comprenez que je ne vous donne pas tout le parcours, les détails de ma vie, parce que le but de la journée ici, c'est de dire comment est-ce que Dieu m'a utilisé pour devenir responsable de construire une église, acheter un terrain, construire une église avec un ensemble de responsables en 1988. Alors, je poursuis un petit peu dans cette direction-là. Mais avant de continuer, j'aimerais tout de même dire ceci. Je dois vous dire que la formation que j'ai reçue au cours des années, ça m'a aidé dans les projets pour travailler au sein de l'Église, mais aussi même dans les projets de construction que j'ai eu à faire au cours des 30 dernières années, je dirais. Parce que vous savez, quand on travaille pour le Seigneur, que ce soit n'importe quel travail, là, que ce soit un travail spirituel comme un travail matériel, il y a tous les ingrédients pour détruire ou bâtir une église. Quelqu'un peut facilement, je dirais, acheter un terrain et construire une bâtisse, un commerce, n'importe quoi, parce qu'il a des compétences pour le faire, puis il va être béni, puis ça va fonctionner. Mais dans une église, lorsqu'on travaille, on œuvre pour le Seigneur, et lorsque tu travailles avec des bénévoles, puis que là, les gens deviennent fatigués, les gens, il y a de la critique, et tu travailles côte à côte, c'est facile que le malin puisse utiliser ces moments-là, les incertitudes qui sont reliées avec ça, pour détruire des vies spirituelles dans l'Église. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je peux dire que toute cette formation-là, ça m'a vraiment guidé pour garder le focus à la bonne place. C'est-à-dire que Jésus-Christ au centre du projet à travers des relations saines. C'était vraiment ça que... Et je dirais que c'est vraiment à cause de la formation et de la relation avec Dieu que je pense que toute l'Église, tous ceux qui étaient là à ce moment-là, ont vécu ce beau fruit que ça n'a pas divisé, mais plutôt unifié l'Église il y a 30 ans. La formation et le service, ça va ensemble. Et il ne faut pas jamais oublier ça dans notre parcours. Comment Dieu m'a équipé? Vers les années 70, comme je vivais à Gentilly, là, ça commence vraiment. Moi, je vous dis, là, quand j'ai ces âges-là, 24, 25, 26 ans, là, je ne connais rien. Moi, la construction, ça ne fait pas partie de mon décor, puis ça ne fait pas partie de mon avenir. OK, on est clair là-dessus. Là. Mais j'ai un esprit un petit peu entrepreneur, j'aurais pu dire. Et en 70, comme je vivais à Gentilly, parce que j'avais venu travailler à la centrale nucléaire, là, je m'aperçois, en vivant à Gentilly, qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain pour construire des maisons. Alors, une idée folle et vient de germer dans ma tête. Ben, pourquoi je n'achèterais pas des terrains, un grand terrain, puis développer des terrains et pour les vendre? Hein? Ça serait une bonne affaire, il en manque. Alors, on va de l'avant. Je repère un terrain, je jette des terrains, et là, les troubles ont commencé. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, là, les terrains, c'est une aventure complètement nouvelle. Là, il fallait faire des routes, parce que la ville ne faisait pas nécessairement des routes. Il fallait faire, au moins, il fallait les défricher.
Là, ça prenait des arpenteurs. Là, c'est là que j'ai connu un notaire qui va, tantôt dans l'histoire, je n'aurai pas le temps de vous le compter, mais qui va accompagner tout le temps l'histoire de l'Église. Un notaire qui reste à Gentilly, qui a nous aidé dans notre constitution, dans différentes affaires, qu'on a eu à régler en tant qu'Église. Ce notaire-là nous a donné un coup de main très souvent. Mais c'est là que je vais le connaître à ce moment-là. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de voir le plan longtemps préparé par Dieu pour que les choses se passent. Okay? C'est ça qu'on est en train de vous raconter ici. Alors, dans cette période-là, j'ai dû apprendre les règlements des villes, les règlements des zonages. J'ai dû apprendre des changements de gouvernement que ça apporte. Là. Deux fois, j'ai voulu de faire arpenter l'ensemble de mes terrains, faire des arrangements spéciaux avec la ville, voir qu'on pouvait faire des choses. Et comme les terrains ne se vendaient pas bien puis que je n'avais pas beaucoup d'argent, alors à ce moment-là, il m'est arrivé une autre idée. Il dit, ben, il faudrait bien que j'aille rester dans le domaine qu'on a développé. On a développé 54 terrains tout de même à ce fois-là. Alors, je rencontre un contracteur. Puis je lui dis, moi, vous voulez échanger des terrains parce que ça pourrait m'aider à écouler. En même temps, bien, vous allez me construire une bâtisse, une maison. Là, parce que je n'ai pas de semaine une place pour une maison. On va la construire là. Il commence, on fait l'échange, on lui donne les terrains, il commence à construire. Et il a construit jusqu'au toit, puis il a posé les ouvertures. Du coup, hop, le gouvernement est rentré chez eux pour aller voir si tout était correct. Une semaine plus tard, il était en faillite. Et là, il entraîne ma maison aussi en faillite. Mais moi, j'avais dû donner des avances parce que je voyais que ça ralentissait puis qu'il fallait bien que j'y aille rester dedans. Moi, là, j'avais une place, j'avais besoin d'aller rester dedans pour le mois de décembre. Là, j'avais pas le, même si c'était avant le mois de décembre, mais il fallait bien que j'y aille rester là. Là. Et là, on est en 1980. Alors, ma maison embarque dans la faillite, mais j'ai un compte hypothécaire. Puis j'ai les terrains à supporter. Et pas tout à fait assez. C'est que l'Hydro-Québec tombe en grève, prolongée. Ce qui fait que la caisse, elle gèle tous mes comptes. Me ramasse plus de comptes. Dans cette période-là, je vous dirais que c'était une façon, c'était assez difficile. J'ai eu le temps de vous en compter quelques-unes. En tout cas, c'est dans cette période-là que justement que moi, je n'avais pas de maison, que mes enfants sont allés rester, c'est Gilles et puis Suzanne. J'avais deux enfants, vu qu'on n'avait pas de place, et eux autres, ils ont resté là, puis moi, j'ai resté ailleurs. Et là, c'est sûr qu'on criait à Dieu, hein? On criait à Dieu. Mais il reste tout de même, je ne peux pas tout vous raconter ce matin comment est-ce que j'ai récupéré la maison, mais finalement, avec le temps, j'ai récupéré la maison. Évidemment, le compte hypothécaire aussi. Mes comptes ont été débloqués, mais pas d'argent. Alors, Dieu, peu à peu, et j'aimerais vous conter tout ce que Dieu a fait. La seule chose que je peux vous dire, on a manqué d'argent, on a manqué de nourriture. À un moment donné, il n'avait pas de nourriture. Je n'avais pas d'argent, pas de compte, pas de place à aller. Dieu a vraiment pourvu, à un moment donné, que j'aie vraiment l'argent pour donner 15 jours au moins à la famille. Dieu était vraiment là. Oui, mais je l'ai vécu. Et vraiment, on a vécu aussi une autre étape là, extraordinaire. Je vous donne juste des petits cues comme ça, juste pour dire que malgré on était vraiment dans la détresse, il y avait des frères, on restait chez des frères. J'ai pu récupérer la maison et puis j'ai été obligé d'engager ma réputation pour obtenir des matériaux, parce que je suis rentré dans une maison qui n'a pas d'électricité, l'électricité n'est pas finie, il n'y a pas de chauffage, on est en hiver là, on était au mois de décembre. Alors là, pour être capable que le monde vienne, j'ai quitté et j'ai engagé ma réputation. Mais là, rendu là, l'Hydro-Québec, on a réglé, là je suis retourné au travail, mais tu n'as pas d'argent. Et là, le compte à payer devait arriver, des gros montants là, que je devais au minimum, parce que j'ai fait quand même rentrer les armoires. On avait une toilette puis un bain. Mais, en tout cas, c'était une situation assez difficile.
Mais là, les gens du village avaient tout perdu. Le contracteur n'avait pas payé personne. Il avait construit des maisons, mais il n'avait pas payé personne. Alors, tout le monde perdait avec ma maison. Alors, c'était pas la joie quand j'allais les voir, là. Hein? Alors, il fait confiance. Ben, en tout cas, je le voyais dans leur face, là, oui, il ne manque pas de l'argent. Mais je leur dis, non, on va te payer. Et quand c'est arrivé le temps, là, je dis au Seigneur, je vous dis, ça m'est arrivé deux fois où l'ordinateur s'est trompé sur ma paye. Deux fois. Et je dirais, j'ai reçu un montant, là, qui dépassait plusieurs mois de travail. Là, alors, quand j'ai reçu ce montant-là, les yeux me pitiaient. Ils disaient, ça réglerait mon problème. Au moins, je pouvais payer au moins ceux-là. Là. Non, il fallait que je voie aller voir mon boss. Il fallait que j'aille voir mon boss. Il dit, regarde, hey, aimerais-tu être payé comme ça? T'as Jean-Marc, tu connais Pierre? Alors, il était là. Et puis, finalement, il a dû encaisser, puis il réglera le problème plus tard. Je vais avoir une note. Alors, on a réglé le problème. Je reviens parce que là, ça serait trop de choses. Juste pour dire que Dieu a été fidèle, malgré tout, nos épreuves, Dieu a été fidèle. Mais juste pour dire que, aussi que cette expérience-là, le fait que après ça, que j'ai été obligé de construire ma maison, ça m'a donné une direction d'un certain sens. Ça m'a qualifié et je n'ai pas arrêté de faire de la construction jusqu'à même cet été, j'en faisais encore la construction. Ça a débuté quelque chose qui n'a jamais presque arrêté au cours, présentement, quand je regarde en arrière. Okay. Alors, quand on arrive maintenant pour le terrain, pour acheter le terrain. Alors, le conseil, à ce moment-là, avait vu qu'on avait besoin de sortir éventuellement du sous-sol dans lequel on était d'une école, tout de même, pas d'une maison, on était dans une école, de sortir de là et de chercher des opportunités pour voir si on pouvait avoir un bâtiment ou un terrain. Alors, on cherchait, puis à un moment donné, on avait eu un terrain qui était potentiel. Alors, le conseil m'a envoyé à cause de l'expérience, justement, que j'ai. Et c'est là qu'on rencontre la compagnie qui s'appelle Gévec ici et le terrain, justement, que vous avez ici. On négocie à différentes reprises et un terrain d'environ 129 000 pieds carrés, on arrive à négocier les prix, 40 000. 40 000. Moi, je connais le prix des terrains, je suis pas mal plus cher que ça à Gentilly, là. Alors, mais, tu sais, avec le temps, quand que Dieu approuve les voies de quelqu'un, il s'arrange. Alors, 40 000. Alors, c'est correct, mais j'y mets trois conditions. Premièrement, ça prenait un changement de zonage, parce que le zonage pouvait être commercial, mais s'il n'est pas institutionnel, on ne pouvait pas construire. Alors, ça demandait un changement de zonage. Alors, je dis, l'offre, on dépose un montant d'argent important, mais on dit l'offre, ça veut dire que ça prend un changement de zonage. Deuxième chose, ça me prend la permission de la ville pour construire un lieu de culte, une église. OK? Troisième condition, si jamais vous changez d'idée, c'est une grosse pénalité. Celle-là a eu de la misère à passer, mais finalement, ils l'ont accepté. Ce qui fait qu'en 1982, toutes les conditions sont remplies pour qu'on puisse acheter le terrain. Vous allez voir tantôt que ça va jouer un rôle. Alors, je peux juste vous dire que je n'ai jamais fait de promesse d'achat, promesse d'avance comme celle-là. D'après ça, je n'ai jamais fait ça. Moi, je ne l'aurais pas signé, mais les autres l'ont signé. Alors, le comité de plan, eux autres, à ce moment-là, de 82, il y a un comité de plan qui est formé. De 82 à 88, ils travaillent sur un plan. Et on travaille aussi pour avoir ramassé de l'argent en tant qu'église pour la construction. Parce que là, on a un terrain, on fait même des pique-niques dessus, et puis là, on voudrait construire. Le problème, c'est qu'il manque tout le temps 160 000 piastres à l'époque. Mais j'ai essayé de trouver les papiers, je pense que c'est à 250 000 de projet au complet, 250 places, 250 000. Mais en tout cas, je sais une chose, parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai jeté le papier, qu'on voulait avoir un objectif de 160 000. Le problème, c'est que pour tout le monde, à ce moment-là, c'est que chaque fois qu'une année passait, le coût augmentait.
On n'arrivait jamais à ramasser assez d'argent assez vite pour... Alors, tu sais, il y avait un esprit de découragement un peu dans l'Église. On ne verra jamais le projet parce que ça les tirait tout le temps. Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez. Mais Dieu, il y a un plan. Il y a un plan. Pour moi, c'est quoi? Alors, ce qui arrive, c'est que en 1987, j'avais une bâtisse commerciale au Cap. Puis là, j'avais besoin de la grandir. Et j'avais déjà connu Yves Paris, qui avait eu plusieurs années avant. Puis, il était venu dans mon groupe maison à ce moment-là. Puis, on avait bien connecté ensemble. Alors, en 87, je le recontacte. Il est rendu à Drummondville. Mais là, je le recontacte. Je dis, Yves, viendrais-tu m'aider à faire la construction? Je voudrais construire, agrandir la bâtisse au Cap. Ah, il dit oui, OK. Alors, on s'arrange ensemble. Moi, je prépare toutes les affaires autour. Et puis là, mon Yves vient travailler. On agrandit ça. On s'aperçoit, on travaille bien ensemble, nous deux. Hein? On fait une bonne équipe. Il a aimé ça, puis moi aussi, j'ai aimé ça. Mais après ça, j'ai aussi réalisé, en même temps, qu'il y avait des économies substantielles. Alors, quand que ça s'était fini, on avait fini à l'automne 87. Moi, je n'étais pas sur le comité du bâtiment à ce moment-là, mais j'ai dit, 160 000, c'est dur à ramasser ça. Je rencontre le comité en 1988, puis là, je viens leur dire, écoutez, je viens d'avoir une idée folle. Qu'est-ce que vous diriez si au lieu de la faire construire comme c'est prévu jusqu'à maintenant, parce qu'on n'avait pas les personnels requis, on n'avait pas de contracteurs, on avait des gens qui pouvaient travailler dans la construction, mais on n'avait aucune idée dans ce sens-là. C'était pas dans notre prévision, là. Alors là, j'ai dit, j'ai une idée folle. Et si on la construisait, la bâtisse? Je vous dis que tout le monde se regardait. Là, on ne dit pas non, mais on ne dit pas oui. Alors, finalement, on décide d'aller faire comment ça coûterait. Alors, qui est mieux placé que Yves, qui enseigne à Drummond, si je me souviens, dans les coûts d'estimation? David, es-tu ici aujourd'hui? David, c'est le père de Yves, c'est le père de David qui vient ici à l'église. Alors, il fait faire l'estimé. Alors, je reviens avec l'estimé. C'est réalisable. En économisant les bouts de chandelle, comme on dit au Québec. Hein? En économisant les bouts de chandelle. OK, c'est réalisable. Mais ça me prend une équipe. Alors, évidemment, ce que j'ai fait, Yves enseigne tout de même à Drummond. Alors, j'ai demandé à Yves, est-ce que tu accepterais de venir? Puis Yves a dit, oui, je accepterais de venir. Alors, je suis allé chercher ma licence d'auto-contracteur durant l'été pour être prêt pour venir pour ce projet-là. C'était une licence qui était attribuée avec ce projet-là, comme contracteur. Et là, mais j'ai besoin de former une équipe plus grande. Moi, je vous avoue, là, réellement, là, j'aurais pas pensé de construire parce que je ne me trouvais pas avoir les compétences pour construire quelque chose qui est institutionnel. Ça a toutes des règles, pas pareil comme une maison, ça, là, ça a toutes des règles différentes. Alors, ça me prenait une équipe. Et c'est là que longtemps d'avance, comme Yves, longtemps d'avance, Dieu avait mis une contact entre nous, longtemps d'avance, Dieu avait placé une personne, André Sauvageau, qui, lui, était venu travailler avec moi au démarrage de la centrale nucléaire de Gentilly 2. On a été quelques années ensemble, et durant ces quelques années-là, André, il a connu le Seigneur, et là, il y avait une prière bien, bien spéciale. André ne voulait pas être là pour le démarrage du réacteur. Il demandait à Dieu qu'il puisse avoir d'autres choses. Et vous savez, Dieu lui a fait une grâce tout à fait particulière. Je ne pourrais pas tout dire, André, parce que ce serait trop long. Ce matin, je n'ai pas cet temps-là. Mais André a passé par une voie que je peux vous dire que personne d'autre à l'Hydro-Québec. André a passé, la porte a été fermée par la direction de l'Hydro-Québec après lui. André est parti pour aller étudier comme ingénieur électrique
avec son emploi avec l'Hydro-Québec garantie. Alors, André, est, en 1988, quand on veut faire l'ouvrage, il est un ingénieur qualifié. Et comme par le hasard divin, l'Hydro-Québec lui confie de la réfection de bâtiments qui sont publics et d'une centrale, je crois que c'était la Gabelle. Et il devient qualifié pour... Il connaît les normes, voyez-vous, il connaît... Alors, je lui demande, André, hey, est-ce que tu serais prêt à faire une équipe, une petite équipe de... puis de travailler la construction, certifier les plans, ça coûte cher. Alors, mais on n'a pas d'argent. On n'a toujours pas d'argent. Alors, André, il accepte. Et puis, voilà, c'est parti. Au moment où est-ce qu'on a construit, je dirais que l'Église a commencé à décider de construire, je dirais que l'Église est partagée. Il y en a qui vont vraiment par la foi, et d'autres, je dirais, qui se relient au projet quand on commence la construction. Alors, la prochaine étape, évidemment, c'est de demander un permis. Là, quand on demande permis, ça ne passe pas, parce qu'il y a des gens qui s'élèvent dans la région ici, où une église, on ne peut pas voir ça. Alors, ils font des pressions au niveau de la ville, et la ville m'appelle pour dire, « M. Grimard, on comprend que vous avez un terrain zoné institutionnel. » Si je vous raconterai tous les détails, comment ça s'est passé, là, vous restez sur un peu surpris. Mais juste pour faire une histoire courte, mais il dit, « Vous n'aurez pas le permis de construction pour le lieu de culte. » Ah ouais? Il dit non. Il dit, il faudrait vous trouver un autre terrain. On peut vous aider. Là, j'ai dit, c'est drôle parce que moi, j'ai un papier, une lettre de la ville qui dit que vous m'avez autorisé un lieu de culte. Non, 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 M. Grimard, on n'a pas ça dans nos dossiers. Il dit, moi, je l'ai ici. Est-ce que vous pouvez l'envoyer? Oui, une photocopie. Alors, je leur ai envoyé pour qu'ils soumettent ça à leur avocat. Et l'avocat, ils ont regardé ça, là, et puis ils ont dit, vous ne pouvez pas rien faire contre eux autres. La ville. Alors, la ville m'a rappelé pour dire qu'ils ne pouvaient pas rien faire. C'est eux autres qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas rien faire contre, malgré l'opposition des citoyens. Et il dit, donc, on va vous y mettre le permis. Merci Seigneur. 6 ans avant. 6 ans avant. Alors, mais je vous dirais ceci, la ville, après ça, a fait une très belle coopération. Très belle coopération. Après les 2 mois qui ont suivi, je peux vous dire, écoutez, on a commencé à la mi-octobre à peu près, puis à la mi-décembre, on est en train de célébrer ensemble en 88. Et je vous dis, là, Dieu a pourvu, on manquait de tout le temps de l'argent, mais on est arrivé dans notre budget. On a eu Dieu a mis la main même sur des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur pour nous favoriser. Il y a une fois, entre autres, toutes les traces ici, là, hein. Le gars, Michel Lamarche, il m'avait fait un prix de contracteur, puis c'était bien à côté. Ben, je dis, écoute, il n'a pas trop d'argent. Je dis, peux-tu demander au patron, au boss, si lui, il mettrait ça à son cosse? Ben là, monsieur, comment? Alors, il m'a dit. Alors, il est parti, puis le boss a dit, ben oui. Non seulement ça, mais il a signé tous nos plans de structure. En tout cas, c'était vraiment, c'est beaucoup. Mais juste pour vous dire qu'on est arrivé dans notre coup. Non seulement ça, mais c'est que Dieu a pourvu, il a envoyé des frères à des temps spéciaux pour la construction. Vous savez, il y a des temps, à un moment donné, dans la construction, là, c'est que le monde est épuisé. Oh, faut poser des traces. Tu n'as pas grand monde dans l'église qui monte dans les airs pour aller poser des traces. Hein? Bien là, pouf, des frères qui viennent de Romande, des frères qui viennent de Mito, qualifiés, qui viennent donner un coup de main une fin de semaine complète, paf, les traces sont posées. Ça, on a vécu ça. Ceux qui étaient là, vous souvenez-vous, il y avait un qui se promenait tout le temps en écharpe, Gaétan, là. Il nous est parachuté, il nous arrive, là, puis lui, il plante, là, puis il s'en va avec ses grandes écharpes, puis il plante partout. Extraordinaire. Alors, tout le long, Dieu va susciter ces moments qui vont nous permettre de réaliser le projet. Et la chose, là, pour moi, qui est le fruit le plus goûteux, d'un certain sens, c'est que
oui, on travaille fort. Oui, on est fatigué. Oui, les bénévoles, quand ils viennent, ils ont le cœur sur la main, mais ils ne savent pas trop comment travailler. Puis, tu sais, mais ça l'a amené un beau fruit, une solidarité dans l'Église. Il y avait une complicité puis une solidarité qui s'est développée dans l'Église. Et ça, je vous dis, là, c'est divin. Alors, je sais que ceux qui étaient là peuvent en témoigner beaucoup. Peut-être ce matin, s'il y avait quelque chose à retenir, je pourrais peut-être dire ceci. Dieu, comme vous pouvez voir, autant Joseph, moi je vous essaie de vous le transmettre comme ça aussi, je ne dis pas que le parcours est facile quand on est à l'école de Dieu, mais je peux vous dire qu'il est un Dieu qui est présent et qu'il y a vraiment, tu le vois à travers son chemin, qu'il veut utiliser des hommes et des femmes bien ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été qualifié pour faire une telle chose. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été en charge d'une telle activité. Mais Dieu a pourvu tout le long. Et j'ai vécu aussi, et l'Église a vécu dans ce temps-là, c'est très stimulant au niveau de la foi, de réaliser, après coup, après toutes ces pleurs, après tous ces cris des fois, qu'on reste malgré tout à l'école divine pour être formé. C'est faut être un petit peu en rétro comme qu'on fait aujourd'hui pour se rappeler comment est-ce que ça nous a transformé, comment qu'un simple genou comme j'étais, Dieu a fait finalement quelqu'un tout à fait différent, puis que j'ai œuvré, comme Joseph a œuvré dans un plan qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et c'était un bon témoignage pour toute la région ici. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes encouragés que si quelque soit la chose que vous vivez, le message que Joseph voudrait donner, le message que moi je voudrais donner, c'est, quelle que soit qu'est-ce que vous vivez, restez à l'école de Dieu pour qu'il puisse vous utiliser dans ses projets. Puis pour que vous puissiez goûter ce qu'on peut goûter. Et ce que j'ai goûté, c'est de dire, quand je regarde en arrière, je n'ai pas été inutile, dans le sens que j'ai pas été... Dieu m'a utilisé pour sa gloire. Il m'a formé, il m'a équipé, il a contrôlé les événements pour que je l'utilise, pour qu'il m'utilise dans ma vie. Je vous dirais, à la fin, quand tu regardes, y a-t-il une plus grande satisfaction? C'est la chose qu'on se rappelle. Ce que Dieu a permis qu'on voit de sa grandeur. Dieu utilise des personnes ordinaires dans un plan extraordinaire, parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Amen. On va être prêt à monter en haut dans une quinzaine de minutes et on vous demanderait de ne pas monter en haut avant moins quart. On va vous inviter à le faire, on va avoir un temps de louange à l'instant.